Le médium était concentré. D'après Marie-France, ouais. Et on peut pas le porter? C'est bien. Si, on peut le porter. Puis un souffle étrange a passé, l'ombre au mur s'est profilée, l'assistance s'est mise à trembler. Encore un coup. Mais le médium a déclaré. Oh non, radio même là. Oh non. On va me les scratch maintenant. Qui vous électrise, ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Runissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâche un chat. C'est ça, saute. Comme ça, tu vas te retrouver en bas. Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit. Quand une dame poussa un cri en disant ouh, ça y est, je le sens, c'est lui. Oh, mais non, voyons. Et ben alors, qu'est-ce que c'est? Mais. La petite bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. Le médium alors se fâcha et chassa le chat. Ah! Une fois dit, miaou, me voilà. Quelle drôle de surprise. Car l'esprit s'était caché là, dans la queue du, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue du chat. Ah, ah voilà. Pourquoi t'as peur, toi?